On avance vers où comme ça? Les camions de police. Ah ok. Et ils vont contrôler de nouveau notre identité, c'est ça? Non, on vous remet à la police maintenant. Moi j'ai pas l'habitude de traiter avec de gendarmes et policiers, j'ai jamais été arrêté de ma vie. Donc j'ai... Comme... Ah je pourrais placer... Ah d'accord, parce que là, on est... là je suis arrêté, c'est ça? On est traversé. C'est ce que vous me dites en fait. Camion de police. Après près d'une heure de détention, j'ai été relâché place Bellecour. Il était alors 15h à Lyon, la manifestation débutait à peine. Mes deux camarades arrêtés avec moi ont passé la journée en garde à vue. Seuls, en cage, sans un verre d'eau, traités comme des criminels. Pourquoi? Ils avaient de quoi se protéger des gaz lacrymogènes. Moi aussi, mais dans une poche qui n'a pas été contrôlée. Pas encore entrée en vigueur, la loi dite anti-casseur s'applique déjà. Mes deux camarades pacifiques au casier vierge ont été fichés, empreintes ADN et relâchées en soirée, après la manifestation. Qui d'ailleurs a été bien plus fortement réprimée par les forces de l'ordre dès 14h05, place Bellecour. Je vous livrerai les détails et mon analyse de la situation dans une prochaine vidéo.